Hi folks, the second flight of the FMS Rafale 64mm 4S 2200, and as you have seen, I have put the LiPo a bit forward because at 110 finally it was a bit tail heavy and not the easiest way to fly this this jet. So I'm now at 100mm. This is the rearest part of the Book CG. Donc vous avez vu les gars le placement de la batterie là, une CNHL 2240C qui pèse 256 grammes et du coup ça nous donne un CG à 100 mm parce qu'en fait à 110 mm le vol d'avant là ça restait un peu trop centré arrière et quand on met plein gaz du coup il pique, c'est pas facile à voler, c'est pas optimal je trouve. Donc du coup j'ai essayé de ravancer un petit peu la batterie, on va voir ce que ça dit à 100 mm. Et j'avais aussi un problème de gyro tout à l'heure, en fait j'étais en conservateur de cap quand j'avais mis mon gyro, c'est pour ça qu'il était pas bien. So guys, yeah, on the first flight, I had my gyro on a hold position, hold heading, so it was not a good way to fly the gyro. So now I will put the standard gyro that I will switch on right now, and I reduce a bit the elevator throws, so I've got only 9mm. Donc ouais, j'ai réduit un petit peu mes débattements à la profondeur aussi, comme il est un petit peu chatouilleur. Au moins j'ai un petit peu moins de débattements. On est bon, Robert? C'est parti. Allez, go. Ah oui, ah oui, ah bah oui, c'est autre chose. Bien, 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 bien mieux. Way, way, way better, guys. Ah oui, ah bah oui, là, c'est facile à voler. Half throttle, je suis mis gaz. On va faire un passage plein pot pour voir. Full throttle. 3, 2, 1. Et ça monte. Ah oui, voilà, là c'est propre. Là c'est bien. Yes, voilà, là on va pas le mettre en blocage, don't put in alpha lock. Excellent, excellent, ouais donc 100 mm c'est génial. So yeah guys, the CG at 100mm is just perfect. We'll try to land, to see. Yes, that's way better. A bit of rudder. Very powerful. Ça monte vraiment fort. Hein. Ça marche hyper bien. Hein. Excellent, excellent, excellent. Bon, j'ai 2 minutes 10 de moteur. Vraiment cool, super top. Là c'est un autre avion, clairement, beaucoup plus facile à voler, mais qui permet toujours de faire des beaux passages cabrés,
That's a new plane, really. So, so nice. Allez, on va se poser. We'll land. Parfait. Allez hop, on le laisse partir. Ouais, bon, j'ai volé 3 minutes. 3 minutes, voilà, pour le soleil. 3 minutes 23. Hop. Donc ouais, 3 minutes 23, j'étais tout le temps avec le moteur quasiment, hein, 3 minutes 9 de moteur. Et on a du 3,86, mais qui va devenir du 3,88 évidemment. So guys, around 3.88 volts for a flight of 3 minutes and a half with 3 minutes and 9 seconds of useful throttle time. Pretty nice, pretty, pretty nice. But once again, that thanks to CNHL. The best LiPo in Europe. I said in Europe. CNHL, c'est vraiment, et vraiment, honnêtement, hein, c'est vraiment les meilleurs LiPo qu'on a en Europe. Sans problème, sans aucun doute. Donc ouais, on a 3,89 là. Ouais. 89 volts. Ça consomme rien du tout. 3 minutes de moteur et c'est un régal. 100 mm, c'est vraiment tip top. Et en fait, FMS fait des CG qui sont plutôt, plutôt justes comparé aux autres fabricants. So yeah, guys, the CG at 100 millimeters is just perfect for me. The really cool. It's harder to put in alpha lock, so that's really nice. Quelle belle bête. Un magnifique stamp. Il est beau. Il est beau, il est beau. So guys, thank you so much for watching. Don't hesitate to ask your question down below. And don't forget to check the description also. See you very soon. À bientôt les gars. Ciao.